Salut mes petits canards, donc voilà, j'ai la déception de vous annoncer le décès une fois de plus de ces clim Ayrton, et pourtant pas vieille, hein, 4 ans a priori. Ces clim, c'est vraiment une catastrophe. Bon, c'est très souvent que j'interviens dessus, toujours pour le même problème, des fuites de gaz. Et là, la clim n'a pas supporté la recharge de gaz, on a pourtant trouvé la fuite. Bon, faut dire qu'il y en avait a priori deux, parce que quand j'ai eu réparé la fuite de la valve Schroeder, les liaisons aussi présentaient des traces de fuite au détecteur de fuite. Donc, on en a discuté avec les clients et en fait, il nous a paru plus opportun de changer la clim pour pas faire trop de frais. Donc là, on est quelques jours après et aujourd'hui, on va changer cette clim. On va lui mettre une clim EIWA. C'est une marque que je commence à poser ces derniers temps qui est vraiment très bien. Pas très cher et néanmoins avec une gamme bien élargie. Ça, c'est le Zen 2 Plus. C'est une clim qui est très bien pour les zones froides parce qu'elle descend en chauffage jusqu'à moins 15 degrés et elle a pas mal de confort au niveau du soufflage. Donc, c'est plutôt pas mal. On va démonter l'ancienne clim. Lors de mon dernier dépannage, j'ai déjà rapatrié le gaz. On va la démonter et poser la nouvelle. Hey, salut Vincent, ça va? Salut. Qu'est-ce que tu fais? Je démonte tout. Pas de bêtises, hein? Ah, ici, c'est mieux de travailler que moi, en vrai. Donc ça, c'était les tuyaux préchargés Brico Dépôt pour que les particuliers puissent poser eux-mêmes leur clim. Franchement, je n'incrimine pas le particulier qui pose sa clim parce que sans doute qu'il prend toutes les précautions et il respecte le manuel. Le problème là, c'est pas ça. Le problème, c'était la qualité du système. Ces petits clapets là qui permettaient d'avoir des longueurs de liaison frigorifique préchargées de manière à ce qu'en fait il n'y ait pas de mise en service à faire. On n'a plus besoin d'installateurs avec un certain nombre d'outillages spécialisés pour pouvoir en mettre en service, tirer au vide, etc. L'idée n'était pas mauvaise, mais en pratique, c'était pas au point. Résultat des courses, alors c'était des clims qui n'étaient pas très chers, hein. C'était une gamme grande surface de bricolage, quoi. Mais c'est toujours pareil, pas cher qui dure pas longtemps, c'est toujours un calcul à faire. Voilà, compresseur démonté, il est là. Goodbye, goodbye Ayrton, goodbye. Goodbye. Alors là, on a remis les liaisons comme ça. On va s'en servir des anciennes liaisons pour passer les nouvelles liaisons. Pas question de les réutiliser. Et pour ça, j'ai ma couronne neuve ici. Alors, tiens, un petit tuto, un petit conseil là. Sachez-le, pour les liaisons clim, on n'est pas à 5 euros près sur la couronne de 20 mètres. On prend plutôt du cuivre épaisseur 1 mm et pas 0,8. Il y a 5 euros d'écart sur une couronne de 20 mètres. Donc les gars, les collègues frigoristes et les autres personnes qui font les travaux eux-mêmes, on lésine pas, on n'est pas à 5 euros près. Donc c'est du 1/4-3/8 x 1 mm x 1 mm. La plupart du temps, le standard c'est 0,8. Mais honnêtement, quand vous travaillez, même quand vous réalisez les dujons et tout, vous sentez bien que la qualité elle est supérieure. Ça vaut le coup pour 5 euros de plus. Comment on déroule la liaison de cuivre? En fait, on se sert du sol. On prend le bout de la couronne ici, là, on vient l'appuyer au sol, et là, on déroule la couronne. Donc, à droite, on remet le pied dessus doucement. Donc là, on a déposé l'unité intérieure ancienne, et là, on a la nouvelle. On vient de faire quelques traits de repérage pour que notre unité, elle arrive pas plus, parce qu'elle est plus large que l'ancienne, donc pas plus bas que ça. On aura un tout petit peu du trou à reboucher ici. Ça, c'est l'ancienne liaison cuivrée qui passe dans le placard qui est derrière. On va se servir d'elle pour tirer la nouvelle. Donc, on va aiguiller en accrochant le nouveau tuyau à celle-là. Et on va pouvoir sortir de cette manière-là jusqu'à dehors. Au niveau électrique, c'est un petit peu différent. Ça, c'est souvent le cas dans les clims quand on les change. Celle-là, c'était une clim qui s'alimentait au niveau de l'unité intérieure. Au niveau de l'alimentation, j'entends. Et ensuite, il y avait une liaison 4 brins qui faisait l'unité intérieure, l'unité extérieure. Là, on est inversé, donc on va devoir repasser un câble pour aller d'abord alimenter le compresseur extérieur et ensuite simplement utiliser la liaison qui était en place pour l'unité intérieure. Voilà. Donc là, la nouvelle liaison.
L'unité intérieure, elle est posée. Les cuivres, ils sont repérés, marqués par rapport à mes longueurs en attente dessous. Le câble de liaison, l'alimentation, on l'a tiré directement au compresseur extérieur. Là, on va faire les dujons. Comment on fait un dujon de clim? Voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est un dujon? Un dujon, c'est une préparation du cuivre là, pour que je puisse le boulonner avec un écrou à l'embase qui est ici et qui est l'embase de la clim, qui est un raccord conique. Voilà. Le principe d'un dujon comme ça conique pour la clim, c'est que ça crée une étanchéité pour les gaz sans avoir besoin de mettre des joints. C'est un peu l'équivalent du chauffage quand on fait du chauffage. L'intérêt, c'est qu'en fait, on garantit une étanchéité qui soit très lointaine. Si on a une altération du joint, eh bien, on n'est pas embêté avec ça, puisque c'est cuivre contre laiton, serré et ajusté au maximum. Et donc, du coup, dans 20 ans, il n'y aura toujours pas de fuite à mon truc. Pour pouvoir faire ça, il faut une dujonnière. La dujonnière, elle est là. Alors, la dujonnière, c'est quoi? C'est un appareil manuel, hein, c'est même des électriques, mais enfin, qui va me permettre de façonner le cuivre pour qu'il soit parfait. Je vais vous montrer comment ça marche et ce tuto va vous permettre de savoir faire des dujons. Encore faut-il évidemment avoir une dujonnière, mais enfin, voilà. Avec la dujonnière, là, ici, j'ai un coupe-cuivre. Et ici, j'ai fait mon repérage de coupe, de longueur de coupe, là, deux petits traits. Donc, je vais faire les deux dujons en vous les expliquant. Première étape, on coupe sur le trait. Maintenant, une chose importante, c'est que je vais vous montrer le problème de la bavure qui est à l'intérieur. Une fois qu'on a fait la coupe, ici, là, à l'intérieur du tuyau, là, vous allez venir voir de tout très près ici. Vous voyez, mon tuyau, là, il est beaucoup plus gros que ce petit trou qui reste là, au milieu. C'est parce qu'en fait, il va falloir ébavurer l'intérieur du cuivre. C'est la même chose sur le gros. De meilleure qualité est votre coupe tube, au moins vous aurez de bavure à l'intérieur. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ça vaut le coup parfois, si on en fait beaucoup, d'acheter un bon coupe tube. Éventuellement même de changer la molette régulièrement, parce que des fois c'est le genre d'outil, ça. Au bout de 10 ans, si on n'y réfléchit pas, on s'aperçoit qu'on a toujours la même rondelle et en fait elle coupe moins. Donc comme elle coupe moins, il faut plus de bavure à l'intérieur. Là, je vais vous montrer deux choses. Ça, c'est un couteau à ébavurer qui a la particularité de tourner sur les mêmes roues. Classique, pour les gros diamètres, ça c'est très bien. Pour les petits diamètres de clim, je me suis aperçu avec les années que c'était pas terrible, on a tendance à rayer un petit peu l'intérieur du tuyau. Donc, je me suis acheté ça. C'est un petit ébavureur, mais un petit ébavureur pour les tout petits tuyaux. Un stylo, ça commence au tout petit diamètre et voilà. La seule chose, c'est que ça, c'est un outil qu'il va falloir changer de temps en temps pour avoir toujours un bon tranchant. Quand on ébavure un tuyau de clim, le danger et le risque, c'est de laisser des petits bouts de cuivre à l'intérieur du tuyau, qui après, une fois la mise en service faite, vont pas balader dans le compresseur et l'abîmer. Donc, il faut absolument ébavurer avec le tuyau tête en bas pour être sûr de rien laisser à l'intérieur. Je rentre doucement à l'intérieur de mon tuyau, et là, je viens tourner jusqu'à retrouver le diamètre de mon tuyau, qui me paraît être le diamètre initial. Bon, et le gros tuyau, c'est la même histoire. Voilà, comme vous avez fait ça, s'il reste une petite bavure, hop, on enlève en profitant du tranchant. Ensuite, tuyau tête en bas, on secoue. Surtout, on souffle pas dedans. Hein. On secoue tête en bas et au moins, on est sûr de rien avoir laissé. Quand on fait un dujon, erreur de débutant, et même d'ailleurs ça arrive de temps en temps comme la tête ailleurs, on oublie de mettre l'écrou. Évidemment, il va falloir avant de faire le dujon, mettre l'écrou à l'intérieur. Parce que si vous avez fait un beau dujon mais que vous avez oublié de mettre l'écrou, vous êtes bon pour recommencer. Alors sur la dujonnière, il y a tous les diamètres de cuivre que l'on peut trouver. Ça part du 1 quart et ça va, je ne sais pas combien, mais enfin 1 quart, 3 huitièmes, 1 demi, etc. Nous, là, on est sur du 1 quart, c'est le tout petit, donc je vais préparer le dujon pour le petit. On met la dujonnière comme ça, ce qui permet un petit peu de l'entrouvrir. Une fois qu'on l'a entrouverte, on n'oublie pas l'écrou.
On vient passer le tuyau à l'intérieur. On va se régler comme il faut et une fois qu'on est bon, et je vais vous dire comment on se règle après, on vient, on serre la dulonnière comme ça. Je vais d'abord vous montrer comment on règle la profondeur. Donc là, elle est serrée dans ma main droite. Et ici, là, ce qui est à noter, c'est qu'en fait, on ne se met pas à fleur ici du bas de la dulonnière. On laisse dépasser le cuivre d'environ un petit millimètre, c'est-à-dire pas plus d'un millimètre, mais un millimètre. Si je voudrais être très précis, je dirais 8 dixièmes. Ok? Une fois qu'on a fait ça, la dulonnière, on vient la placer à l'axe du trou qui était le trou un quart. On vient serrer ici. En fait, elle fige le tuyau à l'intérieur et ensuite il n'y a plus qu'à serrer ça. Ça, c'est une dulonnière à débrayage automatique. C'est-à-dire que là, je tourne. Quand je vais arriver à la butée, enfin à la butée, quand elle va se débrayer, voilà, là, elle vient de se débrayer. Ça veut dire que mon dujon, il est fait, pas besoin de plus les bavurer, enfin le façonner. Ensuite, on dévisse, on desserre. On sort la dulonnière. Alors, on va regarder la tête que ça a. Donc voilà, ça, c'est un dujon de clim, d'accord, qui est fait pour aller sur cette embase ici. D'accord? Vous voyez bien le côté conique. Allez, la deuxième. Bonjour, ça va? Il s'appelle lui. Vincent. 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 Non, moi je parlais du clim. Ah! Le clim Vincent. Elle s'appelle Vincent, la clim aussi. Vincent. Milan, là. Ok, donc là on est raccordé. Maintenant on veut vérifier l'étanchéité de notre système de climatisation. Pour ça, une bouteille d'azote, des mano azote, et on va pousser 30 barres d'azote dans cette climatisation pour voir si on est bien étanche. On pousse 30 barres, on regarde les mano, on attend une dizaine de minutes. Si les mano sont restés à 30 barres, c'est que on n'a pas de fuite. À ce moment-là, on peut procéder au tirage au vide. Ok, donc là je suis en place. Mes nouveaux manos 4 voies là, que je viens de m'acheter, je les ai achetés hier. Ils sont beaux, hein? Ils sont beaux mes manos. Hein? Alors, donc ici, la bouteille d'azote. On ouvre la bouteille d'azote. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais un peu fermer les vannes. Voilà. On ouvre la bouteille d'azote. Ça monte. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, dans ma bouteille, j'ai 125 bars, en gros. Ici, là, j'ai la pression en sortie du réducteur de pression. Je suis à 24 bars. Ici, je vais augmenter la pression pour aller jusqu'à 30 bars. On augmente doucement jusqu'à arriver approximativement à 30 bars, sachant que ces manos sont pas trop mal, mais pas aussi précis que des manos comme ça. Une fois que là, j'ai bien 30 bars en sortie, ici, j'arrive à mes manomètres. J'ouvre une première vanne ici. Et puis, je vais ouvrir là. Je vais entendre l'air qui va. Non, rien entendu du tout parce que j'ouvre cette vanne. Donc ça c'est pour envoyer l'azote dans le corps du manomètre et ensuite j'ouvre cette vanne pour envoyer l'air à l'intérieur de ma clim. Vous voyez que la pression va monter, on entend l'air qui circule. C'est-à-dire que là je suis en train de remplir d'azote la liaison frigorifique, donc ça qui va jusqu'à l'unité intérieure et aussi l'unité intérieure. La seule chose que je ne remplis pas, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur du compresseur, puisqu'à l'intérieur du compresseur aujourd'hui, il y a le gaz qui est vendu avec la clim à l'intérieur préchargé. Donc là, je pousse 30 bars, je vais observer sur mes manos ici à quel moment mon aiguille va atteindre 30 bars. Là, ça finit de se remplir. Il en manque peut-être un petit peu. Non, ça y va doucement. Allez, on va un tout petit peu augmenter ici. Et quand j'arrive à 30 bars, je vais fermer cette vanne-là. J'y arrive pas. Voilà. Hop. Je ferme ça. Je
je ferme cette vanne là, du coup je peux fermer celle là aussi. Et là, top chrono, je suis à 30 bars. On verra tout à l'heure, dans 5 ou 10 minutes, à combien je suis. En attendant, comme c'est moi qui fais le Dujon et que je suis le meilleur, en toute modestie, hein, puis ça tombe bien parce que je suis tout seul, donc il n'y a personne qui peut dire le contraire. Non, comme je suis à peu près sûr de mes Dujons, je vais ranger la bouteille d'azote. Voilà, là, ça fait 7 minutes, toujours à 30 bars, donc pas de problème, je n'ai pas de fuite. Bon, maintenant on va tirer au vide. Pompe à vide. Là, je suis redescendu à zéro. Je vais fermer cette vanne. Fermer celle-là. Fermer celle-là. Ferme tout. Ici, je suis bon. J'allume ma pompe à vide. J'ouvre une première vanne ici. Mon tuyau arrive là. J'ouvre ici. J'aspire le corps du mano. Et enfin, j'ouvre ici. Et là, j'aspire la clim. Par ce tuyau bleu. Voilà. Allez. 10-15 minutes de tirage au vide et on met en service. Ok, là ça fait 10 minutes ou 15 minutes même que ça tourne. Donc on va passer à la mise en service. Je ferme la vanne de la pompe à vide. Je ferme ici et j'éteins ça. Ok. Donc là on est bon, on a le vide. Le manomètre là il indique bien moins 1. Qui est le signe qu'il y a le vide à l'intérieur. Maintenant, je vais ouvrir les deux vannes qui sont là, en commençant par les gaz. Et là, en fait, on injecte dans la clim le gaz qui est préchargé dans le compresseur extérieur. Les vannes de clim, il faut qu'elles soient ouvertes à fond à chaque fois. Le bouchon. Et tous ces bouchons là, que ce soit les bouchons de vanne ou le bouchon de la valve shredder que je vais mettre après là, tous serrés à la clé, pas trop fort, mais serrés à la clé pour que ça fasse une forme d'étanchéité si les vannes se venaient à légèrement fuir dans quelques années. Allez, on range ça, on finit la partie électrique et on va pouvoir mettre en route. Voilà, Vincent est fini la partie électrique, qu'est-ce que tu peux nous dire Vincent? Ça se passe bien? C'est beau. Bon. Donc on a en gros l'alimentation phase neutre, enfin neutre phase terre, et ici la liaison 1, 2, 3 qui fait unité extérieure, unité intérieure, la liaison de communication. Donc là on est bon là, tu remets les capots, ouais. Et je mets en route, c'est bon, ouais. Tu es confiant? Je confirme. T'es pas trompé? Non. Ça va pas exploser la mise en route? Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, je mets le jus, mais pas les doigts. Donc, mode chauffage. Tout automatique, okay. Avec le téléphone. Voilà, on va y demander un peu beaucoup, histoire. Combien on lui demande? Là, je lui demande 29, juste pour vérifier que sur mes manomètres, là, que les données soient bonnes. Tu vas passer sur YouTube? Oh, que tu es beau, toi. Oh, que tu es beau. Oui, tu vas passer sur YouTube. Voilà les amis, c'est fini pour cette clim. On va plier nos affaires, vérifier dedans que tout fonctionne bien et que les clients savent servir la télécommande. Et c'est terminé pour aujourd'hui. A bientôt mes petits canards, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous plaît ce genre de tuto, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous en aurez plein d'autres. Merci, à bientôt.